Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à San Francisco Rush 2049. Je vais faire un petit réglage d'écran et on se retrouve tout de suite. Bah, du coup c'est parfait, c'est réglé. Alors donc je disais San Francisco Rush 2049 sur Dreamcast. On avait fait la version Play 1, donc on va essayer la version 128 bits du jeu. Donc on a un mode 1 joueur jusqu'à 4, puisqu'on pouvait brancher 4 manettes sur la Dreamcast. On a le mode, on a le record, les options, audio, vidéo. On va voir les options d'ailleurs. Alors on a en français, anglais, espagnol, italiano, Deutsch, Niederlande, oh carrément, et français. Alors flèche du joueur, miss enlevée, carte radar temps passé, tachymètre, compteur, odomètre, vitesse, métrique, sens inverse, coin. Oh, enfin, il y en a une tonne en fait, des trucs, des trucs dans les options. Alors. On va faire vidéo, tiens, on a quoi? Centré verticalement, bon ça j'ai déjà fait, ça sert à rien. Enfin, ouais. On a la page web, et, ben oui, bien sûr, sur la Dreamcast on avait, vous pouvez aller sur internet. Bon, on va faire ça pour le moment. Allez, mode 1 joueur, les contrôles. Donc, accélérer avec la gâchette, frein avec L, la direction évidemment avec le joystick, vitesse supérieure, vitesse inférieure si on utilise le mode manuel, interrompre, L tirer. On peut changer la vue avec les touches, ok. Bon bah, on va voir, hein. On va mettre par défaut comme ça. VMU, on va mettre 1, ça c'est bon. On va pas créer de joueur. Donc on a un mode course seul, un mode entraînement, un mode course fantôme. On a un mode circuit cascadeur. On va voir ce que c'est cascadeur déjà, dès le début. On a donc évidemment... Bah du coup la vitesse max, accélération, contrôle, force, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un petit peu décalé sur les côtés, c'est normal que l'on voit pas tout Attendez, pareil, je vais voir si je peux faire un petit réglage quand même. Voilà, donc c'est beaucoup mieux. Donc je disais, on a plusieurs voitures, on a donc la Rocket ZX qui a donc une vitesse maximale assez moyenne, accélération assez pauvre, beaucoup de contrôle, beaucoup de force, donc ça c'est pas mal. Là c'est encore pire, beaucoup de contrôle, énormément de force avec la Magnum. La Formule 1, vitesse maxi, accélération, contrôle. Alors là, je comprends pas trop parce que pour moi, ça aurait été l'inverse. Une Formule 1, ça va super vite, ça accélère super vite. Par contre, niveau contrôle, bon, ça pas mal. Par contre, la force, c'est bizarre qu'il y en ait autant. On a la 8 ball. Et dans toutes les mêmes statistiques en fait. What the fuck. Bon, c'est pas grave. On a la Breezer. Là, ça ressemble à une vieille américaine. Super GT. Ouais. Donc ça c'est pas mal, on a pas mal de voitures différentes. On va aller dans le ZX. Tiens, je vais commencer avec l'américaine. Le moteur. Ah, on peut changer, regardez. On a un 3 litres 2 HPV6. On peut mettre un turbo 350. Un 6 litres 2 V8. Je sais même pas à quoi ça sert. Bon, on va mettre un V8. Quitte à prendre une voiture américaine. La musique de fond derrière, elle est en une boucle temporelle tellement courte. C'est horrible. C'est horrible. Les pneus radiales, on peut pas le changer. Châssis lourd, châssis léger. Ah, on peut choisir. Contrôle, force, bien plus d'accélération. Bon, c'est comme ça par défaut. Les ailes, petit, grand. Alors ça, par contre, je vois pas la différence pour le moment. Peinture, on peut changer la couleur. C'est pas mal. Il y a pas mal d'options de personnalisation. Ça, c'est vraiment sympa. On va la garder en rouge. Alors, on a des roues de 14 pouces. Regardez comme c'est ridicule. 15 pouces, 16 pouces, 17 pouces, est-ce qu'on fait le kéké? 19, 20 pouces, 22, 23. Non, c'est pas les pouces en fait, c'est juste la variante. Oh, regardez, on veut faire des roues galettes limite, c'est dégueulasse. Bon, bah écoutez, je sais pas, on s'en fout, on va mettre. Au secours quoi. Bon, mais ça, c'est plus nul, mais on s'en fout. Alors je sais pas ce que je suis censé faire dans ce mode, dans le mode cascade. J'ai mouru j'imagine. Alors attendez, parce qu'on a des coins apparemment. Ah d'accord, il faut récupérer des petites pièces. Ok, en faisant des sauts, blablabla, tout ça, ok. Bon bah je sais pas, est-ce qu'on en a un par exemple là ici? Ah, il y avait un coin jaune. Coin jaune.
Alors là, on a réussi. On a un x4, x2, x3. Bon, j'explose à la fin. On va essayer d'aller chercher. Alors, il y a des coins un peu partout. Ouais, par contre, je sais pas trop où je vais aller là. Parce que j'ai fait un coin sur le côté. Ouais, il est là. Il y en a un qui est caché. Donc je freine. Oh, quand je freine fort, ça fait glisser totalement le véhicule. Là, il y a un coin par exemple. Je suis censé y aller comment? J'en ai aucune idée. On a des boosts aussi. Hein. C'est génial. Regardez, je vais faire des figures. Encore. 640 points. Là, ça a été validé, je pense, mon score. Bon, par contre, qu'est-ce que je peux faire avec ça là? Parce qu'en gros, si j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Une sorte de grille. 149 points. Coin en or, je pense que je vais rien avoir. On va retenter, on va essayer d'aller sur la partie verte pour voir ce qui se passe. Bah il se passe pas grand chose. Aïe, j'ai tout perdu. Alors j'ai conservé mon score, ça c'est bien. Ah, il y a un coin par exemple, on va essayer d'aller chercher. Oh non, j'ai même pas réussi à le toucher. Quel dommage. Attends. Est-ce qu'il y a une vue? Est-ce qu'il y a une vue, tiens, par exemple? Là, je me remets sur place, d'accord. J'ai la vue arrière, je peux... J'ai une vue embarquée, et ça, c'est pas mal. Vue capot. Qu'est-ce qu'on a? Vue capot. Là, il y a l'air d'avoir un coin. Oh, mais je l'ai raté. Je suis pas allé vite. Et on a une vue décalée. Petit effet, d'ailleurs, de réflexion sur la voiture. Je sais pas si c'est temps réel, j'ai pas l'impression. Bah ça ressemble un petit peu comme une temps réel, mais non, c'est un truc, c'est une carte à 360. J'ai récupéré un seul des coins pour le moment. Bon bah je suis recraché, c'est super. Bon, j'en ai un sur 8 déjà, ça sera pas forcément le plus... ça sera pas forcément le meilleur score que vous allez voir dans ce jeu. Hein. Ouais, puis il faut sauter un peu moins. Oh, je me suis remis sur les pattes, c'est parfait ça. Pas de bonus L. Ah, quel dommage. Parce que j'avais vu... Non, j'avais vu une touche tout à l'heure dans les options. Ouais, on peut klaxonner, ça c'est super. On peut freiner. Ah, on peut freiner, j'ai deux façons de freiner. Hein. Je peux freiner avec le bouton A aussi. Ouais, je sais pas trop là ce qu'on va pouvoir passer. Oh, regardez-moi ça. Double, triple loops, quadruple loops. Oh, c'est dommage, t'es dessus. J'étais dessus. Ah, il m'a pas remis dessus. Quel dommage. Je sais pas trop quoi faire là. Franchement, on a un new boost. Ça donne de la vitesse. Mais par contre, pour aller toucher cette partie là-bas. On va essayer d'aller chercher le coin qui est là. Ouais, bah, évidemment. Avec la vitesse, ça va être compliqué. Je me suis planté. C'est magique. Bon, là, je devrais l'avoir par contre. Non, ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Bon, je sais pas, on va attendre la fin du compteur quand même pour voir ce qui se passe. Slim Jim, Sheps. C'est quoi les trucs qu'il y a écrit en haut là? Ouais, ça sent... ouais, c'est les fausses pubs. Pas énorme hein, quand même. Bon, sinon que dire, hein, j'en profite qu'il n'y ait pas de course pour moi. Bah, niveau maniement, ça va, c'est correct, hein, ça se manie plutôt bien, c'est assez propre. À voir en course après, hein, parce que là, par contre, elle tourne pas super bien, mais ça m'étonne pas pour une américaine. Allez, dernier jump. Triple, quintuple, sextuple. Oh, pas mal. Est-ce qu'on va réussir la figure? Oh, quel dommage. On aurait fait un x10. Ça m'aurait fait 1000 points, bon écoutez c'est pas grave. Terminé. Donc, point 715, meilleure cascade, 640, je sais pas à quoi ça sert. On va quitter, parce que franchement c'était pas passionnant. On va faire une petite... on va faire un circuit, nouveau circuit débutant. Ah, circuit, je pense que c'est le mode championnat. Alors avant de faire le championnat, on va d'abord faire une course au sol pour s'entraîner un petit peu quand même. Donc on a la Marina, on a le 8, on a le Civic, le Métro,
re la Marina, re le métro, re la Civic. On va essayer le Civic là, qui m'a l'air un peu en dehors de la ville. 3 tours à l'envers, non. Brouillard, on peut activer le brouillard. Bon, on va pas le faire, hein, on le sépare du tout. Par contre, on peut mettre du vent. Génial. Alors là, on a un petit drapeau derrière qui change de... On va être moyen. On peut mettre jusqu'à 5 véhicules contre nous, donc on peut être 6 maximum. La difficulté maxi, on va laisser comme elle était par défaut. Mort, on va faire enlever, mais apparemment on peut mourir. Alors, donc, bon, on va changer, on va prendre quoi? On va prendre la... On dit la Magnum, on va prendre une Formule 1, évidemment. Sauf qu'une Formule 1, ça roule pas en... Ouais, mais on va encore avoir un V8. Bon, on va mettre la Turbo 350. Pneu radial, châssis lourd, on va laisser comme ça. Grande aile, on verra ce que ça donne. La peinture, ok. Et les roues, au hasard, prêt au départ. Oula, j'ai vu que j'étais pas avec la croix. Oh, regardez, à droite déjà, je crois que j'ai trouvé une autre route. Il y avait un léger passage, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai que dans Francisco Roche, on peut aller un peu partout, c'est vrai que c'était pas mal ça. Alors il y a une version 64 aussi, peut-être qu'on testera, mais je pense que c'est la même que la Dreamcast en un peu moins jolie. Après, le jeu est pas spécialement beau, hein, quand on regarde la 3D au niveau des bâtiments, la Dreamcast peut faire quand même bien mieux que ça. Donc ça sent encore le jeu, malheureusement trop souvent le gars sur Dreamcast, qui a été juste upscale par rapport à la version Play 1 ou la version 64. Plutôt que de faire vraiment un jeu spécifique à la Dreamcast avec des bons graphismes, ce genre de choses. Alors là je suis à fond, hein. On dirait peut-être pas comme ça. Petite vue embarquée. Je pense qu'il doit y avoir des raccourcis un peu partout. Je vais pas aller plus vite, hein. Alors peut-être que j'aurais dû changer de... Oh la vache, le saut! J'aurais peut-être dû changer de châssis. Ça m'aurait permis de gagner de la vitesse. Est-ce que je peux prendre l'inspiration sur lui d'ailleurs? Voilà, pour un jeune. Bon, toi, les circuits sont toujours aussi sympas par contre. Hein. J'ai souvenir d'avoir son Play 1, c'était quand même plutôt cool. Regardez, il y a une piste en haut, je suis sûr qu'on peut y aller. Comment on peut aller ici? Voilà, le raccourci, je l'avais vu. Bon, malheureusement, ça m'a pas servi à grand chose. Mais on peut le prendre. Et on peut aller aussi au-dessus, je pense, hein, sur la partie haute, là. Par contre, il y a sûrement un endroit où on peut récupérer le plafond de verre qu'il y avait en fin de circuit. Je pense qu'il y a moyen. Il faut juste aller le chercher. Par contre, à la régulière, là, honnêtement, je vais pas plus vite qu'eux. Donc ça va être difficile à rattraper. Je tire tout droit, c'est magnifique. Ah, je pense qu'il y a un tunnel là. J'ai l'impression qu'à gauche, à l'entrée, là, il y a une sortie avec un tunnel. Oui, là, on peut passer à gauche. J'en suis persuadé. Ouais, il y a l'air d'avoir des raccourcis partout en fait. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui est intéressant. Il faut vraiment que j'en trouve d'autres. Après, je connais pas trop, on peut aller sur le côté gauche. Par contre, j'ai l'impression que les raccourcis, c'est pas forcément des vrais raccourcis. J'ai l'impression que c'est plutôt. Histoire de dire qu'on peut aller à droite ou à gauche, mais j'ai pas l'impression qu'on gagne beaucoup de temps. À moins qu'il y ait des boosts hein, dans les raccourcis. Bah c'était ici là. Est-ce qu'on peut aller sur la partie en vert? Non, je pense pas quoi. Ah si, regardez, il y a un boost ici. On va passer par là. Oh le jump. Ah j'ai pas réussi à aller sur la partie en vert, c'est dommage. On va essayer dans le troisième tour de le faire. Par contre, je vais repasser par là. J'aime bien. Ouais, bon, par contre, c'est vrai que si je passe par là dans l'eau, faut pas aller très loin. Aïe aïe aïe, coup dur! C'est complètement loupé. Il n'y en a pas dernier par contre, on a toujours 5ème. Mais à mon avis, il y a zéro chance de faire mieux. Ouais, j'aurais dû vraiment mettre un châssis moins lourd. Parce que c'est pas un circuit très très compliqué en soi. Alors là, je crois qu'il y avait un truc qui restait là. Ah, oh, je l'ai raté.
Oh bah c'est pas grave, on peut quand même monter sur les murs, regardez, 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 il y a l'autre côté de la route. Mais c'est trop bien, il y a vraiment trop de trucs quoi. J'ai explosé ma voiture, oui. Allez hop. Ce qui est marrant, c'est qu'en explosant ma voiture, je me retrouve plus près du cinquième que tout à l'heure. On aura sûrement le même circuit à refaire, peut-être en mode coupe. On verra ça. Par contre, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Finalement, c'est bon, j'ai pas trop perdu de temps. Alors là, on va retenter le coup. Je veux retenter le coup. Ouais, on a réussi. Regardez, on est sur la partie en vert. Excellent. Excellent. Bon, on finit 5ème, hein, c'est nul. Mais il y a vraiment possibilité d'aller sur la partie en haut. Sniff sniff René. Ok. Pourquoi pas. Allez, on va faire quitter. Je vais voir si on peut faire le mode coupe directement, ça me permettra de voir les circuits en même temps. Circuit ouais, débutant. Et on va découvrir la marina du coup. On va prendre la. Bah la Hitball elle est pas mal, mais elle fait penser un peu à une voiture style Ridge Racer. Ah, c'est là du coup où on voit l'écartement des roues. Il me semblait qu'on avait l'écartement des roues, non? Ah non, je pensais. Bon, on va mettre ça. On va changer pour un moteur V6. On avait pris le turbo 350, on va prendre le V6. Conduite normale, avancée. Oh, on a une conduite avancée, conduite extrême. Attendez, on va tenter le conduite extrême qui baisse son niveau de contrôle mais qui augmente la vitesse. J'ai gardé la hitball. Et elle sera jeune. C'est parti. Les chargements sont très courts d'ailleurs. Bon, logiquement, c'est le circuit le plus facile parce que c'est le premier. Et ça aide bien. Oh yeah, ça aide bien d'avoir de la vitesse par contre par rapport à eux. Alors j'aurais pu aller à gauche directement. J'ai l'impression qu'il y a un petit passage. Et il y en a aussi sur le côté. Oh la vache. Oh le jump au-dessus du. au-dessus du. Comment ça s'appelle ça? C'est pas un. Ouais, c'est un tramway. Aïe. Attendez, je vais passer par là. Ok. C'était une tentative. Désespérée. C'est pas grave. Ouais. Oh regarde, on peut même aller à gauche là, il y a l'air d'avoir un saut avec un truc en verse. Oh là, mais c'est magnifique. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Il y a trop de trucs à faire en fait sur les circuits. Vous savez que le circuit, le traceur lui-même a l'air vraiment chiant, mais par contre, il y a tellement de choses à faire autour. Regardez, il y a même un looping là sur le côté. Aïe. Oh bah là, je partais totalement à la faute, du coup. J'ai perdu toute ma vitesse. Je pense qu'à la régulière, je peux les battre quand même. Sans prendre de raccourci parce que bah, j'ai une bonne vitesse de pointe. Mais bon, l'intérêt ici, c'est quand même de voir les petits raccourcis. Alors, j'ai oublié d'aller à gauche, c'est pas grave. On va essayer. Quatrième. Ouais, comme je remonte vite, hein, avec un setup difficile. Allez, on va aller sur cette partie-là. Par contre, en revanche, voilà, en revanche, il aurait pas fallu que je me loupe après. Ah putain, alors, je sais même pas où il faut que j'aille. C'est, je me suis paumé, ça va pas durer. J'ai réussi à me paumer sur le premier circuit du jeu, hein, quand même, faut le faire. Ah ouais, c'est ici que je voulais aller tout à l'heure. Allez, on y va. Mais... Bon, vous avez compris, je m'en fiche un peu de perdre, hein. C'est vraiment pas le... Ah mince, on peut pas passer. Ah, c'est dommage. Allez, je vais faire le dernier tour en mode rush quand même pour marquer quelques points. Voilà, pour reprendre un peu de la vitesse parce que... Mine de rien... bon, si j'arrive à prendre un raccourci, je le fais bien sûr, mais... Par contre, elles sont beaucoup plus difficiles en mode extrême. Hein. Oula, elle est beaucoup plus difficile à gérer. Bon, en fait, c'est sympa parce que ça donne un choix. Soit la voiture est plus facile à conduire et bon, vous allez un peu moins vite, soit elle est... très difficile, mais vous allez quand même beaucoup plus vite. Donc si vous êtes très bon, bah je pense qu'à la fin vous jouez en mode extrême. Bon là on est passé à gauche, on a vu ce que c'était.
À droite, bah pour l'instant, il n'y a rien à voir. Si, 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 il y avait un truc caché. Ah, dommage. Je l'ai eu trop tard. Oui. Je ne sais même pas comment je reviens en arrière. Bon, c'est pas grave. On s'est remis vite d'ailleurs. Grâce à ça. Bon, bah là, on n'ira pas puisque je n'ai pas réussi. À la plateforme là sur le côté, je suis persuadé qu'on peut utiliser. J'aimerais que souvent le cinquième est vraiment beaucoup plus loin des autres. Hein. Il y a toujours un énorme gap. Par contre, ce looping là, je sais pas s'il est prenable. À chaque fois, je me plante ici. Bon, je vais finir cinquième. C'est pas grave. On va passer à la suite. Le deuxième circuit. Bon, le code on s'en fout, on va faire continuer. Prochaine course. Alors, donc on est 5ème championnat, c'est logique. On peut voir les totaux, course 1, prochaine course. On va faire du coup la course 8. Je sais pas comment ça prononce, HAI, mais bon. C'est parti, on va changer, on va prendre une... on a pris ça, non, on a déjà pris la Torokex, on a pris, on va prendre la Magnum non plus. On va prendre la Super GT, tiens. On va mettre en mode extrême, parce que j'aime bien le mode extrême. En turbo, les pneus radiales, on va garder châssis lourd. Non, châssis léger, évidemment. Bon, change de couleur un peu. Tiens, en verte et blanche, pour une fois. Alors, bah, on va commencer ça. Je sens qu'il y a d'autres voitures à débloquer, regardez, on a la voiture rouge en face, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on peut débloquer des voitures. Du coup, ça peut être malin quand même que je tente quand même de gagner le championnat. Si j'y arrive. Elle est beaucoup plus difficile à manier quand même. En mode on va dire en mode simu. Pas mal de détails quand même, avec les petits moulins et tout qui tournent, c'est sympa. Mais bon, là, la Dreamcast, elle est pas du tout sollicitée à fond. Hein. Alors, j'ai l'impression quand même que la trajectoire par défaut, c'est quand même pas la trajectoire la plus logique. Des fois, on coupe... enfin... on tisse déjà les cuts en fait. Ah bah regardez là, j'ai une voiture tellement puissante que maintenant là, je me balade quoi. Et elle m'a redépassé. Je dis ça au moment où elle m'a redépassé. Faut aller où là? Alors il y a des pièces à récupérer aussi. Hein. J'ai toujours pas réussi à le faire mais. Je n'ai récupéré aucune. Il y a combien de tours? On va faire 3 tours. Oui. Alors peut-être que les 3 choix de moteur ont des statistiques différentes, mais j'ai pas l'impression. Parce que quand on change les moteurs, il n'y a aucune différence de... voir c'est peut-être pour le maniement. Je sais pas. On va aller par là. Oula. Je sais pas, il y a pas un truc caché, on sait jamais. Non, par contre c'était par là. Bon, du coup, ça servait à rien ce que j'ai fait. Il y a un lac, j'ai l'impression qu'il y a un jump sur le côté aussi. Oh, on peut cutter. On peut cutter vraiment à gauche là. Enfin, je pense, mais après, je vois trop l'intérêt par rapport à la trajectoire du circuit. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que en fin de vidéo, on refasse un des circuits pour tester les cuts maintenant, complètement. Aïe 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 aïe, ça c'est scandaleux, monsieur. C'est scandaleux. Si, si, il a aussi pris. Il a aussi pris. Alors ce qui est marrant, j'avais pas fait gaffe dans le HUD, hein, donc bah en haut vous avez les kilomètres tout ça. D'ailleurs on est à 280 km/h, tout va bien. C'est qu'on a le compte compteur kilométrique. Là on a fait par exemple 10 km, 10 km 9, 11 km. Mais je pense que ça sert à rien parce que c'est remis à zéro, je crois. Alors je peux traverser les arbres, ça c'est une bonne
C'est pas logique, mais c'est une bonne nouvelle pour moi. Pourquoi il freine? Il a ralenti d'un coup. Pareil, le vent, je sais pas ce que c'est. Ah, mais le vent, ça peut être un intérêt quand on a les ailes, apparemment, pour planer. Peut-être que ça peut aider à aller plus loin, je sais pas. Je pense qu'il y a plein de subtilités dans ce jeu que je n'ai pas forcément. Ah, ça m'a ralenti. Que je n'ai pas intégré encore. D'ailleurs, si vous avez joué à San Francisco Rush, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les petites subtilités, justement, qu'on aura sûrement raté. Parce qu'à mon avis, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, j'essaie de le rattraper au dernier moment. On est, c'est compliqué de le... Faut qu'on ait la moitié de l'essai. Ah, là, j'aurais pu aller à gauche, par exemple. J'ai tendance à aller vers là, mais je pense que j'aurais pu couper. Là, j'ai récupéré de la vitesse et on va arriver à la fin du circuit. C'est incroyable, va-t-il pouvoir le dépasser dans les derniers instants du Grand Prix? Ah là, par exemple, j'aurais pu tenter d'aller à gauche aussi, je l'ai pas fait. Non, mais promis, on fera ça à la fin. Si évidemment la vidéo dure pas trop longtemps, on fera le test des raccourcis pour voir un peu ce que ça donne. Oh non, il m'a redépassé en coupant. C'est scandaleux. Mais je pense que j'ai entendu un bruit de blip. Je pense qu'il doit y avoir un... Peut-être qu'il y avait un speed-up. Bon, en tout cas, on est deuxième. Ce qui fait qu'on est... Ah, le premier, il a 20 points, le deuxième 12, le troisième 9. Ok, prochaine course. Ah bah ça, je la connais. Du coup, on va faire ce qu'on a dit. Est-ce qu'on garde la même? On a pris la roquette, donc on va la prendre. On va faire un mode avancé. On peut pas changer les pneus par contre. Hein. Ah mince, j'ai gardé radial. Bon, enfin, j'ai pas changé la suite, c'est pas grave. C'est magnifique, on a un énorme réacteur derrière. Ça fait penser d'ailleurs à Flat Out 1. Le petit boost derrière. Il y avait ça dans la voiture pour s'élancer dans les mini-jeux. Flat Out 1 qu'on avait fait d'ailleurs sur Play 2, si je dis pas de bêtises. Faut que je fasse le 2 d'ailleurs de Flat Out, qui est un excellent Flat Out aussi, même meilleur que le 1. On avait fait le 3 qui était évidemment 3 pourri. Mais le 2 c'est vraiment trop bien. Là j'ai même pas tenté de rusher. On va essayer de passer là. Voilà, c'est typiquement, voilà, si on a des bons pneus, je pense qu'ici on peut gagner du temps. Parce qu'on n'est pas bloqué par le gravier. Je vais pas aller à gauche. Je sais pas quoi tenter en fait. Qui sert à quelque chose en tout cas. Tu vois, l'IA elle gruge un peu sur le côté. ...353 km/h. Oui. Dans le petit bruit, je pense que c'est vraiment... Ah bah là, j'ai pas pris la partie haute. Je ne vais pas prendre la partie droite parce que ça me fait pas gagner de temps en fait. Du coup, j'ai pas l'intérêt. Alors j'ai envie à la fois de montrer la raccourci, mais on fera ça plus tard. Il y a envie de gagner la course quand même. Bon, peut-être que je prendrai un raccourci dans le lot. Je me suis loupé. Oh, l'envol. Allez, tu peux le faire. Secours, mais qu'est-ce qui se passe? On va être en ligne. Oh, le temps que j'ai perdu, par contre. Oh là là là, le temps perdu. Bah, c'est logique, hein, parce que je suis resté à fond sur le champignon. Et du coup, bah, dès que la roue elle se remettait sur la piste, et bah, bouf, d'un coup, la voiture elle partait de l'autre côté. Donc c'est pas spécialement irréaliste hein, ce qui s'est passé, enfin, en tout cas sur la fin. Bon, on a pas mis de brouillard. Je pense pas que c'est un gros intérêt le brouillard d'ailleurs. Bon, y'a pas un autre raccourci qu'on pourrait tenter? Ouais, j'ai pas l'impression. En bas peut-être? Non, y'a rien. Bon, bien sur lui, ça va être compliqué. Oh, j'ai pas vu, mais y'a des chasseurs qui... C'était juste au-dessus, c'était même pas des oiseaux en fait, c'était des... On aurait dit des F-16. Et oui, dans le futur,
Les oiseaux sont remplacés par des F-16. La nature a quasiment été totalement anéantie de toute façon. On rattrape, on rattrape, on rattrape. Attention à cette partie qui ne fait pas beaucoup de temps tout à l'heure. Oui. Oh non, je me suis trompé. Je voulais changer de vue, je me suis trompé. Bon, ça va, il reste une partie de circuit quand même, hein, c'est faisable, je peux le rattraper. Il faut vraiment pas que je me loupe. Slim Jim, j'ai l'impression de voir le logo de Auto Build. Ou Auto Plus, si vous préférez. Est-ce qu'on va découvrir un autre circuit aussi? Parce que je sais pas combien de courses il y a à faire. En fait, il faudrait que je gagne. Hein. Parce que si je gagne, sachant que le leader habituel n'est pas premier. Alors là, j'assure qu'ils y sont pas. J'arrive une seule... Ah, si, ils sont là. Ils sont juste devant. Allez, on y va, on y va, on y va, sur la ligne d'arrivée. Ah, c'est qu'une ligne droite, hein. Oh là là, mon dieu, je vais pas réussir. Vas-y, bouffe-le, bouffe-le, bouffe-le. Ah, quel dommage, je le déplace. Allez, prochaine course. Débutant circuit en cours, 3 courses finies, 5 courses manquent. Ah, il manque 5 courses. Oh la vache. Ok, donc on continue avec le métro. On va garder la même chose que j'ai mis comme pneu déjà. Châssis lourd, ouais. Et vraiment le léger, quoi. Alors on va mettre des rouges. On garde la même, c'est pas grave. Je vais tester le châssis léger en ville. Donc, ça n'a aucun intérêt. Mais... Peut-être qu'on va faire un super départ aussi là. Alors évidemment San Francisco, bah qui dit San Francisco dit des sauts de fou. Alors ça c'est vraiment un circuit à la Metropolis Street Racer. Au projet Gotham, comme vous voulez. Du coup... Ok, il va falloir éviter le tramway, hein. Ça par contre... Ou le cable car... Ouh là, par contre c'est compliqué. Hein. Oh, il y a des sauts partout. Il y a des pots partout, des plots partout. Ah, c'est pas mal, on peut aller par là directement. Alors là, ça ressemble plus à du... Ouais, ça ressemble quand même à du Revolt, hein, à ce niveau-là. Même si c'est pas des petites voitures. Donc là c'est que la ligne droite. Et on est second. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, je pensais que j'étais avant dernier. Allez, gros coup de patin. Allez, réaccélération. Ah par contre le coup de patin il marche vraiment. C'est la voiture, elle part instantanément. Il y a plein de circuits à faire dans le mode débutant. Je pensais qu'il y aurait que genre 4-5 courses, non, non. Ouais, j'aurais pas dû freiner en fait, mais j'ai fait quand même. Je passe par où là? Ok, le virage est là. Ah, il prend, il cut. Salaud! Ouais, ok, on peut s'aider un petit peu. Non, tracé sympa. Tracé sympa. Bon, pas forcément facile, évidemment, mais... Ah ouais, là, j'en serais douteux dans le gravier. C'est comme tout à l'heure. Par contre, pour aller rattraper l'IA, c'est pour gagner. Est-ce qu'on peut aller sur les... Est-ce qu'on peut aller sur les... Non, c'est bon. Je vais dire, est-ce qu'on peut aller sur les toits? J'ai pas l'impression. Oui, quand je tape le mur, il y a quand même une certaine limite, c'est-à-dire que je peux quand même la taper un peu fort. Il se passe pas grand-chose.
Alors, par contre, niveau raccourci, là, ça, je vais pas trop être, être bon, je pense. Ouais, elle se remet quand même pas mal en ligne. Je peux couper, là, parce que je m'ennuie, en fait. Ah, le problème, c'est que si je coupe, j'ai plus l'accélération derrière. Du coup, c'est pas forcément le bon plan. Parce que là, j'ai plus de vitesse. Du coup, il doit s'éloigner, je pense. Alors, tac. Pas mal aussi ce passage, avec les lumières. Alors on n'a pas de bonus, on n'a rien, on n'a pas d'item, il n'y a rien du tout, c'est vraiment de la pure conduite, on va dire. C'est pas gênant. Oh, il y a le TGV. Oh, j'ai tenté, je me suis dit je vais y aller. Mais en fait... je sais pas ce qui s'est passé non plus. Je sais pas m'en remettre, c'est un truc de fou. Je sais pas comment on fait une marche arrière en fait. Et là bien sûr, j'ai perdu tout le temps que j'avais. Ah, il est technique quand même ce circuit. Faut pas rester au milieu là non plus, vu qu'il y a le tram. Et je me suis mis du mauvais côté pour prendre le virage, c'est magique. D'ailleurs je me pose la question, c'est moyen de tricher avec le reset de la voiture pour avoir plus de vitesse de sortie. Je suis sûr que c'est faisable. J'aimerais recoller au second. Ça serait bien de terminer au moins second. Alors on va prendre à fond. Ça, c'est ce que j'ai appris. Magnifique. Et du coup, on recolle. En plus c'est le dernier tour, donc ouais, pas faire de bêtises. On arrive dans la zone que je déteste. On aurait pu aller à gauche, à la droite pardon. Ah putain mais c'est pas possible. Mais il me troll ce tram, c'est pas possible. Tram ce TGV quoi. Alors regardez sur la carte où je suis. Je l'ai fait pour le plaisir, hein. Vraiment. En plus du coup, qu'est-ce que j'allais dire? En plus ça m'a fait perdre des positions. Juste avant la ligne d'arrivée, c'est magnifique. Je finis troisième quand même, je sais pas comment j'ai fait. Mais alors j'ai perdu tellement de vitesse dans la montée, j'aurais dû le prendre beaucoup mieux. Mais c'est pas mal, hein, il y avait un énorme raccourci là. Bon, on verra après les résultats, c'est pas grave. On a encore la Marina, mais elle est à... elle est pas en inversé, elle est à l'envers, mais pas inversée. Ok, on va changer, on va prendre la Magnum, qu'on va mettre en conduite extrême. Moi j'aime bien, extrême. C'est pas léger, standard, c'est pas mal. Prêt au départ, et en violette, on dirait la Batmobile un petit peu. Allez. Il y a une BM devant, une série 6. Putain, une série 6 n'existait pas, c'était ça qui est bizarre. Ça veut dire qu'en fait, ce jeu, littéralement, a imaginé le concept de la série 6 avant BM. C'est incroyable. Non, sinon, pour rester sérieux, le jeu, bah, franchement, bah,
je pense qu'il n'y a même pas besoin de confirmer, enfin de le redire. Je fais n'importe quoi. Et quand même sympa. Quand même sympa. Alors ce qui est bien c'est quoi, quand je me crash, je peux directement me reset finalement, je perdrai moins de temps plutôt que d'attendre. Donc je ferai ça, à chaque fois que je me crasherai, je ferai ça. Je pense que ça vaut plus le coup. Regardez, je fais ça, je reset directement et je me retrouve. Alors peut-être pas devant l'IA, mais en tout cas, ça me permet de me remettre en ligne directement. Bon, je suis quatrième, c'est pas super, mais... La VMAX, la VMAX. Here we go. Je suis sûr qu'il y a un looping dans ce jeu, mais vraiment, hein, je le redirai 10 fois s'il faut. Allez, on est troisième. Il va falloir remonter, là, par contre. C'est vrai que du coup j'ai raté le petit passage. Ah mais c'est pour ça, je pense qu'il y a des chemins en fait qu'on peut pas prendre dans un sens mais qu'on peut prendre dans l'autre. Voilà, c'est pas grave, hein. On l'a vu. On se plante, on change, on met le reset. Voilà. Bon, certes, l'IA revient vite, mais c'est pas. Mais quatrième, hein, c'est pas très bien. Alors, j'ai les musiques, je n'en parle pas trop parce que je les trouve pas du tout percutantes en fait. Alors, j'entends beaucoup moins que le moteur aussi, ça doit pas aider. Non mais franchement, très bon jeu, hein, très bon jeu. Je préfère même cette version, la version Play 1. Enfin, je me souviens de la version Play 1 qui était plutôt sympa, mais elle était quand même beaucoup plus limitée, j'ai l'impression, que la version Dreamcast. Ah, il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire. Alors on va essayer de pas se planter cette fois-ci, ça serait vraiment bien. C'est ça le problème du châssis lent, c'est ça, voilà. Alors soit je fais un 360, ça se passe bien. Soit je fais ça, et il revient directement, voilà, c'est beaucoup mieux. Oh là là, mais non, mais je vais pas faire deux fois. Bah si, je vais faire deux fois la merde. Du coup, je suis au quatrième. Alors, j'ai l'impression quand même, quand on reset, les IA en fait, elles ont une sorte de boost qui fait qu'elles nous redépassent directement. Et je termine quatrième, mon dieu. J'aurais pu finir second, je termine quatrième. Allez, prochaine course. Je suis 3ème avec 4 points, je pense que ça va être compliqué de toute façon de le remporter. C'est pas grave, on enchaîne, on va prendre la. On va reprendre la Formule 1. Qu'on va garder avec le châssis. Alors, le standard, on va dire. Et là on a un concept de Clio. Oula, c'était pas par là. Si, c'était par là. Oh là, vache, ok. Ah, par contre, circuit, je pense qu'on l'a pas fait. Ce circuit, on le connaît pas. Il a pas l'air... Non, je vais rien dire, en fait, parce que chaque fois que je dis que ça a pas l'air fou, il se passe toujours un truc. Alors... Si, si, on l'a déjà fait, en fait. Juste à l'envers. J'aime bien le fuel écrit en énorme. C'est futuriste, mais pas non plus trop, quoi. En tout cas, si ça peut vous rassurer, ça veut dire qu'en 2049, il y a encore de l'essence, hein, donc bon... Pas forcément prendre une électrique. Et merde. Eh oui, bah oui, c'est le piège, c'est le piège. Oui, donc je confirme, on a bien fait déjà se tracer avant. Ah, j'aurais pu aller à gauche, tiens.
Est-ce que ça aurait été utile? Le problème, c'est quand on a un mode de conduite extrême, justement, les raccourcis, il faut vraiment pas les rater, quoi. Parce que la voiture, elle part instantanément. Ouais, la boum, elle part. Et du coup, on perd plus de temps qu'on en gagne. On est à combien? 46 000. Bon, après, c'est pas grave, on va faire l'heure. Hein. Je trouve que le circuit, le jeu est quand même bien fun. Même pour l'époque. Enfin, notre époque, je trouve plutôt cool. Allez, je suis un fou, je continue par là. On va pas les suivre. Sauf qu'en fait, c'était un wrong way. Ok, merci les gars, ça valait le coup. Ils auraient pas pu mettre avant le wrong way. Alors, il fallait que je tourne d'un coup, peut-être. Ouais, je sais pas. On va essayer de remonter progressivement. Je sais pas si on peut casser des trucs, j'ai l'impression que oui, mais pas tout bien sûr. Alors là, je suis du bon côté de la, normalement, donc je vais pouvoir prendre le boost. Voilà, petit boost léger qui me permet de remonter. Ah, par contre, voilà, là, c'est ce que je pensais, comme tout à l'heure. Assez difficile à prendre ce virage. Je pense que la progressivité du moteur doit être différente selon ce qu'on prend. Parce que même si les stats changent pas, potentiellement peut-être qu'on a plus de vitesse à un moment ou un autre par rapport au début, je sais pas, enfin, je sais pas comment expliquer. Peut-être que par exemple avec le premier moteur on accélère bien, mais. Enfin non maintenant c'est débile parce qu'il y a quand même la valeur accélération. Donc je sais pas la différence entre les pneus. Entre les moteurs. Allez, on va finir ce tour, je vais me taire, histoire de vous laisser profiter du jeu. Ah, quel dommage, mais je l'ai poussé. J'aurais pu passer. Bon, ça aurait été vraiment très juste. Mais ça aurait pu passer quand même. Allez, prochaine course. Alors du coup, vu que le championnat est super long, je pense pas qu'on fera les raccourcis. Hein. Tant pis. Je vais quand même finir le championnat. Le premier a quand même 60 points. On est deuxième avec 31, donc en fait on est pas mal. Mais quand même, il y a quand même 30 points, enfin 29 points d'écart. Pourquoi Tina, elle a un smiley? Alors là, c'est le Civic à l'envers. Ok, donc on l'a déjà fait. On va mettre la 8 ball. On va garder ce système pour le moment. Je pense qu'une fois qu'on est bien entraîné avec la voiture en mode extrême, on roule surtout. Alors ce que je trouve bien fait dans ce jeu, enfin qui est pas forcément réaliste en soi, mais bien fait pour le gameplay, c'est que les touchettes entre les IA, les touchettes entre les murs, nous font pas partir extrêmement... Attendez, il bouge tout seul le... Ah ouais, là, ça s'oriente complètement. Ah c'est cool. Et j'ai l'impression qu'on peut aller tout droit aussi. C'est que quand on touche l'IA, quand on touche les murs, la voiture elle a tendance à se remettre légèrement dans l'axe en fait pour nous aider, plutôt que nous envoyer dans le décor ou autre. Et ça c'est vraiment bien parce que... C'est un jeu qui est très arcade, bien sûr, vous l'aurez compris, mais ils ont tout fait pour que ce soit pas frustrant à jouer. Typiquement, le circuit en ville sur un autre type de jeu, j'aurais été. Je me serais fait défoncer en fait. Bon, j'ai vu plein de raccourcis, j'en ai vu une tonne.
Ah merde, il y a le... ouais, faut passer par là. Ouais, j'ai eu envie pendant 3 secondes de passer à gauche, je ne le ferai pas. Non, par contre, on va peut-être tenter après. Et après, j'ai vu des petits passages. Faut vraiment pas que ce soit des mauvais raccourcis, par contre. Si c'est des mauvais raccourcis, on va tout perdre. En plus, je suis en tête, alors j'hésite vraiment, là. Mais bon, on gagnera pas le championnat en tous les cas, donc c'est pas grave. Bon, il y avait un raccourci avec une petite pièce. Allez, on va tenter de passer par là. J'ai entendu un gros bruit énorme, je sais pas ce que c'est. Ah non. Ok, donc en fait, il aurait fallu que je prenne le boost après à gauche en sortant, mais alors ça, j'ai pas le temps de l'anticiper. Du coup, c'est pas évident. On va passer par là. Oh oui. Oh non. Ah, je reprends tout perdre, mais c'est pas grave. Bon, moi, je vous aurais montré quelques parties. Circuit. Bon, est-ce qu'on va tenter de la gagner quand même celle-là, histoire de finir sur une bonne note. Parce que finir deuxième c'est cool, mais j'ai l'impression que c'est toujours deuxième ou troisième. On va aller chercher la fausse Clio là. Ouais, j'ai pensé un petit peu à une QV6, alors pas forcément au niveau des formes, mais au niveau de la forme globale. Alors non, je ne vais pas aller là. On a vu que ça avait... enfin, ça aurait pu avoir un intérêt si j'avais pas loupé ma sortie. Comment tu vas où, là? Où va l'IA? C'est assez bizarre parce que des fois ils passent légèrement à gauche ou à droite et j'ai l'impression que ça leur fait gagner de la vitesse, mais énormément quoi. Premier. Allez, il reste plus que quelques virages. Oui. Ben voilà. Alors ça peut jouer à pas grand chose. Mais c'est quand même une victoire. Et en plus on est en mode débutant. Hein. On n'est pas en mode moyen ou en mode difficile. Du coup, je suis vraiment nul. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah non, il reste une course manquante. Ok, bah écoutez, on va faire le dernier. Piste métro à l'envers. On va garder la 8... ouais, peu importe en fait. Conduite extrême, radial, standard. On va mettre petites ailes, peinture. Je pense que les ailes, c'est peut-être pour aller plus ou moins loin dans les sauts. Je pense que ça doit être ça. On va changer de couleur, on va prendre... oh regardez, on a même des sponsors différents. Allez, on prend rose pour la fin. Des grosses jantes de kéké et c'est parti. Alors on a une Camaro. C'est parti. Alors on a vu sur le côté qu'il y avait un petit passage, mais pas l'air ouf, donc du coup je pense pas qu'on va le prendre. Donc là il y a le fameux train qui nous a embêté moult fois. Bah, l'avantage du mode inversé c'est que le premier secteur, qui était le dernier secteur tout à l'heure, qui était assez dur, bah on prend d'une manière différente et que c'est plus facile à le prendre, j'ai l'impression.
camp. Peut-être qu'après... Ouais, bon, là on s'est complètement planté. Pardon. Ah, mes souhaits. Merci, Jean-Pierre. Alors... Oh, j'ai récupéré une pièce. Alors, c'était totalement random, mais j'ai récupéré une pièce. Il va y avoir un gros saut. C'est pas Patrick. Alors... Bon, ils sont juste devant. Oh, ils sautent. Bah, un il s'est crashé, l'autre il s'est planté. Bon, bah merci pour le... Merci pour le... Pour le... Bah, pour avoir donné la première place. Écoutez, je vais m'en contenter. Attention. Ah, il m'a dé... Ah, je vais dire, j'étais premier, mais ça s'est pas mis à jour. Oh yes. Oh, il y avait une pièce cachée encore. Ah non. Non, non, pardon, c'est juste un... C'était juste un... Bah, un checkpoint, je pense. J'ai oublié de faire ça à chaque fois, parce que sinon, je me plante complètement. Les IA sont plutôt sympas, hein. Elles vous sortent pas, elles vous bougent pas trop. Alors le fait de récupérer une pièce en or, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être qu'il faut le faire... décidément, c'est du rage. Peut-être qu'il faut le faire... Enfin... Au fil des courses, en fait, faut essayer de récupérer toutes les pièces, et peut-être que c'est enregistré pour les prochaines courses, je sais pas. Parce que récupérer 8 pièces dans une course, à mon avis, ça va pas être facile. Bon, tranquille, voilà. On sait que ça passe comme ça. Pas besoin de lâcher l'accélérateur. Je m'en sors mieux que tout à l'heure quand même sur le circuit à mon inversé. Bon, évidemment, je vais pas très vite, voilà, l'IA me rattrape, mais c'est pas grave. Ça va se faire mieux après. La fameuse épingle qui est plus loin. J'ai perdu un peu de temps. Ah, le final lap, il était là. Oula, ouais, pour gagner, c'est compliqué, parce que c'est vraiment à cet endroit où je perds tout. Ah ouais, non. That was abuse. Donc le reset, il va falloir ne pas en abuser. Ouais, j'ai repris de la vitesse, ça fait plaisir. On va se retrouver pas loin du premier. Mais de toute façon, l'objectif est déjà réussi. Ah, j'ai réussi à pas me planter aussi là, ça c'est pas mal. La ligne droite. Vas-y, donne tout ce que t'as! Le moteur qui est en mode j'en peux plus, quoi. Alors, on a conservé de la vitesse, 276 km/h. Et on perd en montée quand même. J'ai perdu beaucoup de temps là, par contre, dans mon freinage raté. Oui, on parle de skill de pilotage maintenant, hein, c'est... Oh ! Eh ouais, je le savais.
Bon, je vais pas gagner. Je ne vais pas gagner, c'est pas grave. Éternel second. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je viens de libérer mission moyen circuit. Donc ça, c'est pas mal. Toddy, là, j'ai pas fait gaffe d'ailleurs au nom du... J'ai fini deuxième, donc pour lui, c'est quand même complété. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, je peux faire le circuit en mode moyen. Bon, on va pas le faire, évidemment, parce qu'on a... On a un peu tout fait. Mais écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Ça fait une bonne heure, c'est quand même pas mal. Donc, que dire sur ce jeu? Bah, vous le savez déjà. Hein. Jeu plutôt fun. Conduite assez sympa. Les choix de voiture, les choix de réglage sont vraiment bien. Vraiment intéressant. Les tracés nickel aussi. Je pense qu'il y aura des circuits pas mal à la fin aussi. Donc, un jeu très très fun. Et puis jouable à 4 Dreamcast. Ça peut être cool. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde!